espérons des mesures ou des textes d'accompagnement pour réellement passer à une nouvelle manière de traitement dans le secteur de l'investissement. Je dis ça parce que réellement, c'est vrai qu'il y a un travail qui se fait au niveau de la direction de l'investissement dont on est toujours invité dans des séances de travail pour l'assainissement et la récupération du foncier industriel. Mais il est aussi préférable de penser, comme on vient de le dire notre ami le député, certes qu'il y a des informations qui ne nous ont pas encore été parvenues, mais en ce qui est notre connaissance, ce qu'on vit actuellement au niveau de notre wilaya, comment faire avec ceux qui ont déposé sur l'ancien système, comment ils vont pouvoir assainir cette situation pour pouvoir y aller pour l'application de cette nouvelle loi. Et je profite l'occasion de ici même, par rapport à ce que je viens de signaler sur l'absence des instances élues dans les guichets uniques. On aurait aimé être présents parce que réellement, c'est les investisseurs, c'est les citoyens, on est les élus qui le représentent pour pouvoir les accompagner de près pour réaliser leur investissement. Pourquoi ne avoir exclu la présence des élus dans ce guichet unique? Et je vous remercie.